On va suivre dans quelques instants une rencontre de Coupe d'Italie, Pierre. Oui, Hervé, une compétition qui est née en 1922. Un match qui s'annonce plutôt serré, on peut dire ça, Pierre. Oui, sur le papier, ça sent le nul à plein nez. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Va faire un pronostic avec ça, toi. On va voir ce que donne le nouvel attaquant hein, qui est arrivé très récemment. Oui, l'entraîneur a modifié sa composition pour lui offrir une place de titulaire. On va assister au grand début du nouvel attaquant aujourd'hui, Pierre. C'est une nouvelle étape dans sa carrière qui commence aujourd'hui. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. On découvre le positionnement des joueurs. C'est le 3-5-2 qui a été retenu aujourd'hui. Ben, on espère pour l'entraîneur que ces deux milieux latéraux sont en forme parce qu'ils vont devoir multiplier les allers-retours. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Alors voyons l'organisation que l'entraîneur a choisie pour son équipe aujourd'hui. Elle va jouer cette rencontre en 3-5-2, 3 défenseurs, 4 milieux et un électron libre entre les deux. On a donc rendez-vous avec un match de coupe aujourd'hui, Pierre. Ouais, de coupe d'Italie pour être plus précis, Hervé. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Kuka. Allez, faute, l'arbitre l'a vu. Il repousse le tir. Ouais, corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Le corner en direction du point de pénalty. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il avait bien senti le coup. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Ah, je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Fofana. Un tir lointain. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Il était loin, il a trop enlevé sa frappe. On revoit ce ballon qui file au-dessus, hein. Pas facile de cette distance. Fofana. Ouais, bon timing. Attention à la frappe. La frappe. Corner à suivre. Le corner, le ballon en pleine surface. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, dans le couloir. Non, bien négocié par le gardien.
Oula, il a laissé sur place avec son geste. Bonjour, merci, au revoir. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh oui! Oh, ça y est, le danger qui... La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Et le voilà averti maintenant. Bah, c'est mérité, hein. D'ailleurs le joueur ne bronche même pas. Le score qui ne bouge pas au tableau d'affichage, c'était pourtant une belle occasion. Kouka. Ouais, lumineuse cette passe. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Choisit la frappe. Un bon ballon d'attaque. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Oh, le long ballon pour renverser le jeu. Ah, ils étaient sous pression. Il dégage. Allez, il faut centrer vite. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. C'est pour le gardien. Mais le ballon rendu carrément à l'adversaire. On le répète quasiment chaque année, mais c'est vrai que les saisons sont de plus en plus longues, de plus en plus épreuves. En profondeur, oui, bien vu. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Le tir. Oh, c'est repoussé par le montant. Pour l'instant, le score reste là, mais le cadre ne pourra pas repousser toutes leurs tentatives non plus. Temporisé. Fofana. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. C'est un corner à venir qui peut donner à cette équipe l'occasion de prendre l'avantage. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire. Le tir, ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. La passe est interceptée. Le ballon qui change de possession. Marco Dzembélé. Attention, ça peut être dangereux. Le centre vers ses coéquipiers. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Fofana. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ah, c'est complètement dévissé.
Kuka. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Fofana. Oh, c'est l'interception. Marco Zambelli. Fofana. Oh, que c'est bien donné ça. C'est dans le paquet. Oh, mais comment il a pu rater ça? C'est pas possible. Ouais, en plus, le gardien était totalement aux fraises là. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Allez, dans le couloir. Allez, touche. Kuka. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, du point, le gardien. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Peut-être une situation intéressante là. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Sur ces images, on voit bien qu'on était vraiment tout près du but. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Allez, dégage, très loin. C'est la mi-temps ici donc, pas de but marqué, 0-0. Pierre, revenons ensemble sur la prestation de ce joueur dans les 45 premières minutes. Ben, c'est simple, on l'a presque pas vu, il n'a pas marqué, il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus. Falloir qu'il fasse mieux. Hein. On a donc rendez-vous avec un match de coupe aujourd'hui, Pierre. Ouais, de Coupe d'Italie, pour être plus précis, Hervé. Fofana. Un tir lointain. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Allez, c'est reparti pour ce match de Coupe d'Italie. Deuxième période, en effet. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Peut-être une bonne opportunité. Attention.
le centre à destination de ses partenaires. Et il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Il prend sa chance. La frappe. Le gardien remplaçant qui est sur ce ballon. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Et qui va pouvoir relancer son équipe. Allez, il a de la place dans le couloir. Il choisit la frappe. Corner. Allez, pourquoi pas un but pour prendre l'avantage au score. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Kouka. Oh, le centre peut-être. Corner à suivre. Ah, bien frappé ce corner au niveau. Ah oui, il y est. Et un but pour son premier match, s'il vous plaît. Le ralenti du but à présent. Quel coup de tronche, le corner est bien tiré et derrière le timing et la finition au fond reste. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Tonucci. Marco Zambelli. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ouais, la passe en profondeur, attention. Encore un bon ballon. Fofana. Il s'avance vers la surface. Il prend la frappe. Ouais, largement à côté. Allez, touche. Jusqu'à récemment, ce n'était qu'une rumeur, mais c'est désormais une information confirmée. Ciro Immobile a signé au Real Madrid en provenance de la Lazio. Ah, on ne sait pas vraiment le montant exact. Une balle d'égalisation. Le gardien remplaçant qui s'impose sur cette action. C'est finalement un ballon perdu. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Ouais, il l'a déposé, c'est beau ça. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Nicolas, c'est ce qui a pas cassé. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Kouka. Les 30 derniers mètres. Ah, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ah, ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien.
Kouka. Alberto Grassi. En profondeur, oui, bien vu. Ah non, mauvais tir, hein, ça passe très loin du but. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ah oui, le bon ballon là. Ouais, lumineuse cette passe. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ah, belle sortie. Ce ballon qui est intercepté. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ah, ce serait pas mal, oui. Bonne attention à la frappe. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Fofana. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. Le ballon dans l'axe. Attention. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Le ballon qui change de camp. Ouais, le tir. Oh, quel manque de lucidité! Mais quel manque de lucidité! Il était face au gardien! Il y a trop de nonchalance dans cette tentative. Ragnar Sigurdsson. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Voilà, beaucoup trop haut ce centre. N'importe quoi. Oh, le ballon qui heurte le poteau! Ah, le montant qui empêche ce ballon de rentrer. Pas sûr que le gardien ait été dessus. Hein. Non, pas sûr non plus. Et ça se voit pas trop, mais je peux te dire qu'il est soulagé. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression en cette fin de match. Il est là pour récupérer ce ballon. Fofana. Il se repasse le ballon. La frappe. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Non, elle a été interceptée cette passe. Ça va être compliqué hein, pour lui d'exploiter ce ballon. Leandro Greco. Adversaire qui hérite de ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, le centre peut-être. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Oh, le vilain tacle. Et l'arbitre va sévir, à mon ami. Ouais, c'est le jeune. Chouille à sévère, ce carton. Hein. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et la faute, bien sûr. Un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Kouka. Alberto Grassi. Il repousse le tir. Corner à suivre. Corner qui peut permettre à cette équipe de conforter son avance, de se mettre à l'abri dans cette fin de match. Trois minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Allez, dégage, très loin.
Alberto Grassi. Kuka. Attention le tir. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Voilà, c'est fini à l'instant. L'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Il s'impose par la plus petite des marges. 1-0. Votre sentiment, Pierre, sur ce que nous a montré ce joueur dans ce match ? Assez simple, je ne l'ai pas vu du tout. Hein. Pourtant, il s'est passé pas mal de choses pendant ce match. À chaque fois, lui, il était ailleurs. Bon, c'est pas si grave, son équipe a gagné. Ouais, bon timing. Attention à la frappe. La frappe. Corner à suivre. Oh, ça y est, le danger qui... La faute. Attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Choisis la frappe. Corner. Allez, pourquoi pas un but pour prendre l'avantage au score. Kuka. Oh, le centre peut-être. Corner à suivre. Bien frappé ce corner au niveau du... Ah oui, il y est. Et un but pour son premier match, s'il vous plaît. Il s'avance vers la surface. Il prend la frappe. Ouais, largement à côté. Fondeur, oui, bien vu. Ah non, mauvais tir, hein, ça passe très loin du but. Bon, attention à la frappe. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Le ballon qui change de camp. Ouais, la belle. Le tir. Oh, quel manque de lucidité. Mais quel manque de lucidité. Il était face au gardien. Il y a trop de nonchalance dans cette tentative. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe. Oh, le vilain tacle. Oh, l'arbitre va sévir, à mon avis. Ouais, c'est le jeune. Chouïa sévère, ce cas.